plasy tompoko vavy sy tonga soa indray eto anatiny ity fandaharana zaka erikaro fanaraka ao eto amin'ny TV Plus Madagascar arahanao indroa isambolana ity araka ny efa nampafantarina antsika dia andriamatoa Patrick Rajoelina izay ministry ny raharaham-bahiny teo aloha no vahin'ny fandaharana amin'izao alina izao miaraba anao andriamatoa ministra miaraba ianao andriamatoa Abraham Razafy Miaraba Tika Diaby, merci en tout cas à TV Plus de me recevoir aujourd'hui. Merci également à Abraham Razaf d'avoir accepté que cet entretien se passe en français, le français qui est la deuxième langue officielle de Madagascar, de par la Constitution. Sajizam tengas isanand, isanand, mirakam leunatsut, isanand. Mirakam le vat, mirakam namaku, mirakam le un retraite. Nefa, mresaka politique, na diplomatie, na technique, fa sarta bianco. C'est très dur pour moi d'avoir des réponses précises en malgache, parce que d'une part, ma génération dans la diaspora n'a jamais appris le malgache. Elle n'a jamais appris le malgache parce que la diaspora malgache, jusqu'à, disons, le début des années 2000, était une diaspora assimilée. C'est-à-dire que les malgaches de l'extérieur, je parle de la France, j'ai vécu à Paris, étaient là, leurs parents sont arrivés pour s'assimiler à la civilisation occidentale, tout en gardant naturellement leur... ce qui fait leur richesse, c'est-à-dire la culture malgache ancestrale. Donc nous n'avons pas appris le malgache, en tout cas dans ma génération. Je peux même vous dire que la fille de mon pasteur, le pasteur Max Randriamour, qui est parti il y a très peu de temps, sa fille a appris le malgache avec ses parents, naturellement, elle le comprenait, mais elle l'a appris aux langues orientales à Paris. Et à l'occasion d'un certain nombre de mes déplacements à l'étranger, j'ai pu rencontrer la diaspora. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de malgaches qui parlent soit l'anglais, soit le français, ou soit d'autres langues dans les pays dans lesquels ils sont. Donc c'est pour cela que, bien sûr, je parle malgache, comme je viens de le dire, avec les gens simples, parce que ces gens ne parlent pas français. Mais il est important que vous précisiez cette explication parce que dès qu'on a posté que ce sera vous, notre invité, dans cette émission, il a été souvent demandé ça va se passer dans quelle langue, en français ou en malgache. J'ai expliqué pourquoi je vous ai demandé et vous avez accepté que cet entretien technique, politique, diplomatique se passe en français parce que... c'est beaucoup plus facile pour moi de l'exprimer précisément dans la langue française, qui est ma langue maternelle, par ailleurs. Alors, vous vous êtes présenté sur LinkedIn. Alors, vous êtes Patrick Raduel, 78 ans, franco-malgache. 68 ans, excusez-moi. Franco-malgache, du côté malgache, vous venez de Andramasen. Je viens d'Ambouibe Manzac et de Mananji Navaradrano. Et je suis franco-malgache, polonais également, puisque justement, ma maman... du côté paternel, vous êtes français d'origine polonaise. Du côté maternel, je suis français, malgache, d'origine polonaise, puisque mes ancêtres sont de Poznan, dans la région de la Grande Pologne, au nord-ouest de la Pologne. Alors, à 16 ans, vous étiez militant communiste. À 17 ans, vous étiez militant Monima après avoir rencontré Moon Jae-jong à Paris. À 20 ans, vous étiez commando parachutiste. En 1980, vous avez fait votre entrée dans la fonction publique au service de renseignement, section antiterroriste. En 1986, vous avez fait vos études en sciences politiques et à l'ENA. Depuis 1988, vous avez écrit quelques livres dont nous allons parler à la fin de l'émission. En 1991, vous étiez chef de cabinet de deux ministres successifs en France, il faut le préciser. En 2010, vous étiez co-rédacteur de la Constitution de la 4e République. Vous faisiez partie
du comité consultatif constitutionnel en 2015. Vous êtes rentré à Madagascar, enfin. Vous étiez PCA du Canal Plus Madagascar. Vous étiez également administrateur délégué de Viséo, Fondation Viséo, chargé de conférences au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, Antananarivo, à Sciences Po Madagascar et à l'Université de Diego Suarez. Vous étiez également fondateur, et vous êtes fondateur, de l'agence de communication Prince, Patrick Graduel International Network and Communication Enterprise. En 2021, vous étiez nommé conseiller spécial du président de la République, André Duel, chargé de la diplomatie et de la coopération internationale. Et dernièrement, vous étiez ministre des Affaires étrangères. Autre précision, monsieur le ministre. Oui, j'ai également une très très grande fierté, c'est d'avoir été le concepteur de l'ISCAM en 1988, puisque la famille qui est propriétaire de l'ISCAM avait lu mon premier livre, 40 années de la vie politique de Madagascar, et avait vu au dos que j'ai été formé à Sciences Po Paris, et ils sont venus de Berne, puisqu'ils résidaient en Suisse, et très gentiment, ils m'ont dit qu'il y avait des locaux de libre dans un grand espace, un 4 foot, et ils m'ont demandé de concevoir une école. Et à ce moment-là, en 1988, j'ai conçu sur une feuille blanche l'ISCAM. Mais j'ai copié naturellement sur Sciences Po et sur l'École nationale d'administration de Paris, dans la mesure où ce que j'ai proposé, c'est que les enseignants, les intervenants, soient des enseignants et des intervenants de l'extérieur. Et la spécificité de l'ISCAM, telle que je l'ai conçue et écrite, c'était de former des cadres intermédiaires, non pas de former des hauts cadres, non pas de former des agents d'exécution, mais de doter Madagascar de cadres intermédiaires qui pourraient travailler au sein des entreprises, au sein de l'administration, ou éventuellement créer leur entreprise. Et je vois le succès de l'ISCAM aujourd'hui, qui est aujourd'hui une très grande école, et l'ISCAM a été la première université privée de l'océan Indien. Et ça, c'est une très grande fierté pour moi. D'accord. Alors, entrant dans le vif du sujet, monsieur le ministre, dans votre compte Facebook, vous avez écrit « Viré, mais pourquoi le jour de la nomination des nouveaux membres du gouvernement ?» Alors, est-ce que vous avez été surpris de votre éviction du gouvernement Ndzay dernièrement ? Le président de la République, lorsqu'il m'a reçu pour me dire que je n'étais pas renouvelé dans mon poste, m'a confié un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec lui et il m'a donné sa décision politique de ne pas me renouveler et voilà, j'ai accepté naturellement et je pense qu'il a pris une bonne décision dans la mesure où éventuellement, pour un certain nombre de raisons qu'on évoquera certainement, je pouvais éventuellement, dans la perspective de 2023, non pas gêné, mais ne pas être au bon endroit. Même si j'estimais, par rapport au chantier que j'ai mis en place, à la suite de mes prédécesseurs, même si j'estimais que je n'avais pas démérité ce que le président de la République, en me renouvelant sa confiance, j'insiste, m'a dit qu'effectivement, la mission que j'avais effectuée était pour Madagascar une mission correcte. Ceci étant, monsieur le ministre, en quelque sorte, vous avez failli à votre mission de ministre des Affaires étrangères malgache. J'ai jamais failli à ma mission de ministre des Affaires étrangères, que ce soit ici à Madagascar ou à l'extérieur. Ici, vous avez rappelé que j'étais conseiller spécial du président de la République dans le domaine diplomatique et de la coopération internationale. Je n'ai pas failli à ma mission puisque je me suis mis directement en relation avec tout le corps diplomatique, ce qui m'a permis le 15 août 2021, lorsque j'ai été nommé ministre, de connaître l'ensemble du corps diplomatique malgache avec qui j'entretiens
j'ai entretenu et j'entretiens encore d'excellentes relations dans le cadre des relations bilatérales ou multilatérales de Madagascar. Sur le plan extérieur, je n'ai pas failli à ma mission, bien au contraire, puisque à travers les 9 voyages à l'extérieur, dont 5 avec le président de la République, j'ai pu travailler très correctement au service de Madagascar. On en parlera tout à l'heure dans le domaine de la diplomatie économique, dans le domaine du rayonnement de Madagascar, et également, le troisième point, avec la diaspora qui était souvent étonnée de voir pour la première fois un ministre passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec eux pour avoir leurs doléances et pour ensuite expliquer ces doléances au gouvernement d'accueil, dans leur pays d'accueil. Ça s'est passé à Dakar, à Addis Abeba ou au Caire, où j'ai porté justement ces revendications de notre diaspora par rapport à leur pays d'accueil, mais également de notre diaspora par rapport soit au département central du ministère des Affaires étrangères, soit beaucoup plus généralement à Madagascar, et notamment dans le domaine du droit de vote. Non, je n'ai absolument pas failli à ma mission. Effectivement, j'ai... Vous n'avez pas failli à votre mission, mais pourtant, monsieur le ministre, vous avez été remercié par le président de la République. Oui, c'est une décision politique, encore une fois, que je respecte, que je partage même, puisque l'essentiel aujourd'hui... Vous savez, quand on est ministre, on est locataire de son siège, si je puis me permettre. Et on peut être remercié, comme vous dites, à tout moment. Il n'y a qu'une seule personne à Madagascar qui est légitime pour rester à son poste, c'est le président Andrzej. Il a été élu démocratiquement. La communauté internationale, y compris par écrit, a souligné qu'en 2018, le scrutin qui a amené le président Andrzej au pouvoir a été transparent, loyal et démocratique. Donc il n'y a qu'une seule personne qui est titulaire de son siège pour un laps de temps déterminé, c'est le président Andrzej. Et pour ce qui nous concerne, que ce soit les ministres, que ce soit y compris les très hauts fonctionnaires, nous sommes, comme on dit en droit, révocables ad nutum, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut être remercié, comme vous dites. Et pourtant, monsieur le ministre, vous avez écrit sur votre compte Facebook « Viré », mais pourquoi ? Une publication que vous avez effacée, d'ailleurs. J'ai effacé cette publication parce que je pense qu'elle était inappropriée, même si ça a été, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de direct. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'étais déçu pour tous les chantiers que je laissais en jachère. J'étais déçu pour tous les amis qui m'ont vraiment témoigné leur affection, des amis, des diplomates, des élus, qui m'ont vraiment témoigné très chaleureusement de leur affection, qui eux-mêmes étaient vraiment très étonnés. C'est vrai que dans un premier temps, j'ai repris un mot de la télévision américaine, « fired ». Et c'est vrai que dans un premier temps, j'étais groggy, je n'avais pas compris. Et lorsque j'ai été reçu par le chef de l'État, c'était le mercredi matin, je ne pensais pas que le chef de l'État allait mettre fin à ma mission. Et cette fin de mission, encore une fois, je la respecte parce que c'est une bonne décision politique du président de la République, Andrzej. Alors, avant d'intégrer le gouvernement Tsai, vous étiez conseiller spécial du président de la République. Alors, est-ce que vous êtes toujours conseiller du président de la République actuellement ? Quelle est votre relation avec le président Radwell ? Alors, il y a deux questions. La première question, est-ce que je suis toujours conseiller spécial du président Radwell ? Ça, je ne peux pas vous répondre, puisqu'il y a eu un décret présidentiel du 28 avril 2021 qui m'a nommé conseiller spécial. Ensuite, j'ai été nommé le 15 août ministre des Affaires étrangères. Donc, juridiquement, je ne sais pas comment... Est-ce que le décret du 28 avril 2021 s'éteint, ou est-ce qu'il est toujours en route? Ça, je ne sais pas. Par rapport à votre deuxième question, mes relations avec le président Andrzej. Nos relations sont extrêmement claires. J'ai rencontré pour la première fois le président Andrzej, qui était maire d'Antananarivo à l'époque. C'était le 26 décembre 2008 à 17 heures précises.
dans un café à Paris. C'est un ami commun qui nous a présenté. Un Karan. Pardon ? Un Karan. Ah non, pas du tout, non, non. Un Malgache. Ah non, non, c'est un Malgache qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui travaille toujours à la présidence de la République. C'est un frère depuis plus d'une vingtaine d'années. Et cet ami commun donc nous a mis en relation et nous avons parlé à peu près deux heures et demie avec le président André Zouen. Au cours de cet entretien, nous étions le 26 décembre, sa radio était occupée et il m'a dit quelque chose d'extrêmement fort et qui fonde l'admiration que j'ai pour lui. Le courage qu'il a eu, c'est, il m'a dit, vous savez Patrick, si le 13 janvier, ma radio n'est pas libre, je pense que je vais faire tomber l'actuel président. Et je lui ai dit, bah, écoutez, vous allez rentrer à Madagascar, non ? Il dit, oui, oui, je rentre à Madagascar. Il est dû rentrer à Madagascar début janvier. Et effectivement, il a tenu sa parole, il a eu le courage physique et politique également de mettre à bas un régime qui muselait, notamment le groupe Viva. Et depuis ce moment-là, depuis donc 2008, moi je voue une grande admiration au président Radzouen, qui ensuite est devenu président de la Haute Autorité de Transition, qui a eu la gentillesse de me confier avec 8 autres de mes collègues compatriotes la rédaction de la Constitution de la 4e République. Et depuis ce 2008, là, on entretient des relations. J'ai même entretenu d'excellentes relations avec lui pendant l'administration Razzonar-Mampian. Ensuite, très naturellement, quand il est arrivé démocratiquement au pouvoir en 2018, il m'a à nouveau fait confiance en me faisant l'honneur de me nommer au comité scientifique pour la restitution des Nous Malagas. Ensuite, vous l'avez dit, je suis devenu son conseiller spécial, puis son ministre des Affaires étrangères. Alors, est-ce que vous l'avez aidé à faire tomber, entre guillemets, selon vos propos, à faire tomber le président Marc Ravalomanana en 2009 ? J'ai travaillé pour Madagascar, pour le bien de Madagascar. Et le bien de Madagascar, c'était justement d'installer André Zouen à la tête de l'État. Ce fut une transition. Et à l'endroit où j'étais, j'ai aidé Madagascar, c'est-à-dire que j'ai aidé le président de la Haute Autorité de Transition, André Zouen, oui. Est-ce que vous avez été donc acteur de cette crise 2009 ? Non, pas du tout. Non, 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 parce que j'étais loin. J'étais à Paris. Je poursuivais ma carrière de haut fonctionnaire. Et à cette époque-là, c'était une période très, très difficile, puisque j'étais secrétaire général d'un établissement public administratif, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, qui aujourd'hui appartient à Santé de France. Et à cette époque-là, en tant que secrétaire général de l'EPRUS, j'étais en train de gérer la crise sanitaire à H1N1. Donc, effectivement, je donnais mon concours, entre guillemets, intellectuel à la transition. Je partageais tout à fait le sens de la transition. Je souffrais en moi-même de ne pas être aux côtés du président de la Haute Autorité de Transition, André Zouen, comme un certain nombre d'autres l'ont été. Et la personne qui nous a mis en relation a été un très grand acteur de la place du 13 mai. Et donc, voilà, moi, j'étais à Paris et avec les petits moyens dont je disposais et avec les conseils que je pouvais donner, j'étais aux côtés du président de la Haute Autorité de Transition, André Zouen. Alors, revenons en 2002, le 18 janvier 2022. Une bande sonore a circulé sur les réseaux sociaux. On a pu entendre votre voix, monsieur le ministre. Une bande sonore pleine de propos injurieux. Bon, je note ici, tu m'as menacé, je suis puissant maintenant, je suis le numéro 2 du gouvernement. Ça va mal finir pour toi. Alors, la question que tout le monde attend, est-ce que cette bande sonore est authentique ? Est-ce que c'est votre voix ? D'abord, ce moment est un moment extrêmement douloureux pour moi. C'est un moment douloureux également pour ma famille et pour mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était un samedi matin, j'étais en train de rédiger, j'étais chez moi, en train, vers 11h15, j'étais en train de rédiger une note. J'étais vraiment concentré sur une note que je devais adresser au président de la République, une note diplomatique. Et le téléphone sonne, et quelqu'un, une voix un peu caverneuse, un peu étrange, sans accent, me dit « on va venir te chercher, on va te faire la peau ». Alors imaginez, à mon âge, à 68 ans, être menacé de mort par quelqu'un, comme ça, je dirais même au réveil. Et cette personne a renouvelé cette menace de mort. Donc effectivement, moi qui suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de direct et de franc, la conversation s'est animée. Et cette personne a continué sa manipulation pour me faire dire des choses que très sincèrement, je regrette. Il y a des choses que je regrette et je m'en suis excusé auprès d'un certain nombre de personnes que j'ai pu blesser. Mais disons, lorsque l'on vous attaque, la première fois de ma vie, pourtant je fais de la politique depuis 40 ans, je n'appartiens pas au monde des affaires. Je ne fais pas de politique politicienne ici. J'ai jamais fait de mal à personne. J'ai jamais touché personne. J'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Et un matin, on vient vous cueillir chez vous en vous disant on va venir te chercher, on va te faire la peau. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est vrai qu'un certain nombre de propos ont très très largement dépassé ma pensée, et tous ceux qui me connaissent savent qu'effectivement, ces propos ont dépassé ma pensée. Naturellement, il y a eu des montages sur cette bande magnétique, puisqu'on entend très très peu la personne qui m'a appelé. Il se trouve que c'est un Français de nationalité française d'origine grecque, puisque naturellement, on a pu l'identifier. Et ce que je veux dire par là, en dehors... Est-ce que vous avez porté plainte contre cette personne ? C'est ce que j'allais dire. Non, je n'ai naturellement pas porté plainte contre ces personnes, pas plus que j'ai porté plainte contre un certain nombre de diffamations qui ont été faites sur moi. Écoutez, moi, je fais partie de ceux qui ne rendent pas l'appareil aux autres. On m'a menacé de mort. Voilà. J'ai naturellement durci... mon service de sécurité, le service de sécurité autour de moi, parce que je vois à peu près précisément d'où la menace vient, et je sais que celui qui a payé ce Français là pour m'appeler, voilà, donc il y a eu un certain nombre de diffamations, il y a eu des choses extraordinairement difficiles à accepter, non pas par moi, parce que j'ai l'habitude, je vous l'ai dit, en 40 ans de vie administrativo-politique, voilà, on a dit des choses, on a dit tout, son contraire, mais c'est surtout pour ma famille, pour mes amis qui ont été vraiment désolés, y compris les amis très très proches, ils m'ont dit « Patrick, tu n'as quand même pas dit ça ». Eh bien écoutez, voilà, c'est humain, c'est un comportement humain, et encore une fois, à tous les frères et à toutes les sœurs que j'ai heurtées, voilà, je... À qui vous faites allusion quand vous dites que vous vous excusez auprès de certaines personnes ? Je vais être direct. Est-ce que vous voulez parler de Angine, de Andy, vous, monsieur le ministre ? Parce que c'est vos propos. Oui. Alors, 3 mois après, vous sortez du silence, monsieur le ministre. Pourquoi ce silence assourdissant ? Parce que c'est un... Ce qui m'est arrivé à cette période-là n'était qu'une péripétie dans une architecture de démolition du ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar. Parce que, je le rappelle, cette menace de mort m'a touché moi. Bien sûr, c'est dur à encaisser, mais ça a touché un ministre de la République de Madagascar. Donc,
À partir de ce moment-là, et également par rapport à un certain nombre de diffamations quasi quotidiennes contre moi, je ne peux que garder le silence, parce que l'outrance de ces menaces, parce qu'il était bien question de menaces à mon égard, y compris lorsque j'ai été diffamé quasi quotidiennement, bien sûr que j'ai gardé le silence, parce que je pense qu'en termes de communication, ce n'est pas bon de relever ces choses qui sont des choses outrancières, fausses et des manipulations. Cette bande magnétique a été une manipulation puisqu'elle n'a pas raconté le début, puisque ce qui a été raconté est sous-titré en plus, parce que la personne qui a payé ce français pour me menacer a immédiatement sous-titré mes propos, les a postés sur Facebook l'après-midi même. Donc voilà, je n'ai pas trouvé, depuis ce temps-là, je ne vois pas pourquoi je serais sorti de mon silence. Aujourd'hui, je sors de mon silence parce que je suis sorti du gouvernement et je n'engage que moi-même, Patrick Razouen, qui a été menacé. Et puis, voilà, très simplement, non, je ne souhaite pas envenimer les choses parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois de ma vie, en 68 ans, que quelqu'un me dit « on va te tuer ». Vous avez été remercié par le président de la République. Est-ce que cette bande sonore est à l'origine de votre éviction du gouvernement ? La façon dont nous avons discuté avec le président ne concernait que des éléments politiques. Donc ça n'a rien à voir avec cette bande sonore. Alors, à propos de l'intervention militaire russe en Ukraine, où la guerre c'est selon, Madagascar a choisi de ne pas se prononcer. Après, le gouvernement a émis un communiqué. Le gouvernement malgache défend le règlement pacifique et le refus de toute intervention militaire contre un État souverain. Alors, je me souviens très bien, c'était au ministère des Affaires étrangères quand le Premier ministre a fait cette déclaration, monsieur le ministre. Vous avez remué la tête quand le Premier ministre a fait cette déclaration devant les journalistes. Bon, j'ai la vidéo qu'on va suivre. Est-ce que vous n'étiez pas d'accord avec cette décision que vous avez faite comme ça pendant les interviews ? Non, j'ai tourné la tête parce que la ministre de l'environnement et du développement durable m'a dit « c'est à toi de parler ». Et moi, j'ai dit « non, c'est pas à moi de parler, c'est au Premier ministre de parler ». Et le Premier ministre, justement, a donné le tempo. Je me souviens très bien, vous m'en aviez parlé tout de suite après, mais non, c'était pas à moi de parler. Le Premier ministre est là pour donner la ligne qui est une ligne constante de la diplomatie malgache, c'est-à-dire grand 1, la neutralité. Grand 2, la discussion, c'est-à-dire ce qui nous rapproche de notre civilisation du Fiavan, c'est-à-dire la discussion entre les belligérants, et enfin, la protection des populations civiles. Et ça a toujours été, et c'était le sens de notre communiqué du 3 mars sur le vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Non, j'ai hoché la tête pour dire « non, c'est pas à moi de parler ». Et je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que vous avez rappelé mes origines politiques. Moi, mes origines politiques, c'est le non-alignement. C'est la conférence de Bandung de 1955, où les grands dirigeants du monde se sont déclarés non-alignés, c'est-à-dire non-alignés d'une part à la Russie et d'autre part aux États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, vous me parlez du conflit entre la Russie et l'OTAN, nous sommes dans ce même cas de figure. Et la décision qui a été prise par le président de la République, le vote d'abstention, nous n'étions naturellement pas seuls, nous étions 17 pays africains, il y a eu 8 pays, dont de très grands pays, comme l'Éthiopie et le Maroc, qui ne se sont pas présentés au vote. Il y a eu à peu près la moitié du continent africain qui n'a pas souhaité voter pour cette résolution.
Donc, non, j'étais tout à fait d'accord, et je l'ai même dit ensuite au président de la République. La déclaration du Premier ministre a été une déclaration suffisamment forte pour que le ministre des Affaires étrangères que j'étais n'intervienne absolument pas dans le débat. Ce n'était pas ma place. Et je rappellerai une chose extrêmement simple, c'est que le président de la République, Andrzej Zwelń, est chef de l'État, chef des armées, chef de la diplomatie. Et le ministre des Affaires étrangères n'est que le bras armé du chef de l'État. Donc à partir du moment où le Premier ministre a parlé, voilà... Madagascar a signé un accord militaire de 5 ans avec la Russie, dont la fourniture d'armes, de formation de personnel militaire. Est-ce que cet accord a dicté la position de Madagascar dans la prise de position contre cette guerre ? Pas du tout. Madagascar est un pays libre, souverain et extrêmement fier de sa politique étrangère. L'accord que vous évoquez avec la Fédération de Russie et Madagascar fait suite à un accord de 2018 également qui était valable 5 ans, et pas seulement dans le domaine de la sécurité, mais également dans le domaine de la santé, dans un certain nombre d'autres domaines de formation. Et je rappelle que Madagascar, par exemple, a des accords similaires, y compris avec la France, l'accord de 1999. Je rappelle que l'un des plus hauts gradés de l'armée française était, il y a quelques jours, ici, à Antananarivo et à Diego, pour voir un petit peu comment se passait le fonctionnement militaire dans cette zone de l'océan Indien. Je rappelle également que Madagascar a les mêmes accords de coopération avec l'Égypte, les États-Unis d'Amérique, avec l'Inde, avec le Maroc. Nous avons envoyé et nous envoyons chaque année des dizaines d'officiers supérieurs et d'officiers subalternes de la TAFK Malagas. Nous les envoyons à l'Académie royale du Maroc. Donc non, Madagascar est un pays... Il faut bien que les uns et les autres se rendent compte. Madagascar est un pays libre. Un pays souverain qui est extrêmement fier de sa liberté et de sa souveraineté. Notre histoire fait que, malheureusement, en 1896, nous avons perdu notre indépendance nationale. Malheureusement, en 1960, la rétrocession de Madagascar à la République de Madagascar n'a pas été complète. Et peut-être que nous parlerons des Nous Malagas. N'a pas été complète. Et il se trouve que, voilà, Madagascar, aujourd'hui comme hier, et là je suis en train de rédiger justement un livre sur la diplomatie malagas depuis Ndjenapounmerne, notre diplomatie a toujours été une diplomatie de défense de la civilisation malagas et de l'intérêt de notre pays. Il y a, je ne vais pas m'étendre dessus, la guerre de 1883 à 1885 qui s'est déroulée à Madagascar, principalement Antananarivo, Thomas et Mahajanga, a été extrêmement, extrêmement difficile. Et le Premier ministre de l'époque, justement, grâce à notre reine, a réussi à contrer l'occupant, celui qui voulait devenir l'occupant. Parce que je rappelle qu'à la conférence de Berlin, Madagascar devenait une colonie. Disons que Madagascar se retrouvait dans le giron français et non pas dans le giron anglais. Malgré le discours langage diplomatique de l'Union européenne sur cette position de Madagascar, est-ce que vous pensez vraiment que cette position de Madagascar par rapport à cette guerre n'impactera pas la relation de Madagascar avec l'Occident ? Non, pas du tout. Les 27 pays de l'Union européenne ont bien compris que Madagascar était un pays libre, indépendant et souverain. Et naturellement, les coopérations se poursuivent jusque, y compris très récemment, avec l'Union européenne. Les discussions se poursuivent. L'Union européenne est un bailleur extrêmement important en termes financiers, en termes de formation, en termes d'équipement.
Absolument pas. Non, 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 non. L'Union européenne. Et notamment la réhabilitation de la route nationale numéro 13. Oui, mais il n'y a pas que cela. Je pense que c'est de façon globale qu'il faut voir la relation multilatérale avec, avec les pays de l'Union européenne, comme avec les autres pays d'ailleurs. Le vote de Madagascar du 3 mars à l'Organisation des Nations Unies est un vote souverain, naturellement, qui a été réfléchi. Et encore une fois, c'est dans le prolongement de notre diplomatie, qui, encore une fois, est une diplomatie qui est très soucieuse des personnes s'agissant du conflit entre la Russie et l'OTAN, qui est très soucieuse notamment des populations russes et ukrainiennes, hein, puisque ces deux parties sont belligérants. Et Madagascar est un pays, encore une fois, sous la direction du président Andry Rajoelina, d'un pays souverain, indépendant. Et il l'a dit à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, à l'occasion de l'Assemblée générale, le 22 septembre dernier. Il a dit « Nous devons, nous sommes maîtres de notre destin ». Et là, il parlait également des Nous Malagas. On va parler justement des îles éparses, des Nous Malagas, votre successeur a clairement dit « les îles éparses sont malagas ». Les travaux de commission mixte sont au point mort maintenant depuis 3 ans. Vous êtes acteur de la restitution de ces îles malgaches. Où en est-on actuellement ? Alors effectivement, mon successeur a évoqué ce qui est la parole permanente du président de la République s'agissant des Nous Malagas. Le président de la République, le 19 mai 2019, devant son homologue français, Emmanuel Macron, a été extrêmement clair. Il a dit, naturellement, les Nous Malagas appartiennent à Madagascar, cela fait partie de notre identité nationale, et nous allons discuter de façon extrêmement constructive et courtoise et apaisée, de la façon dont la France va restituer ces îles en vertu du droit très simple, qui est le droit international, puisque en 1979 et en 1980, il y a eu 2 résolutions de l'Organisation des Nations Unies qui ont demandé la restitution de ces 4 îles à Madagascar. Je rappellerai que la France, en 1945, à la conférence de San Francisco, qui a posé les bases de l'Organisation des Nations Unies, a accepté ces décolonisations. Et enfin, il y a eu le 30 avril 1960, soit 56 jours avant notre indépendance du 26 juin 1960, le général de Gaulle a retiré par un décret ces 4 îles de la restitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décolonisation n'est pas complète, naturellement. Ces 4 îles manquent, si je puis dire, à l'inventaire de ce transfert, territorial. Et c'est à juste titre que naturellement, Madagascar revendique ces 4 îles. Et dans exactement de la restitution, vous n'évoquez plus le terme co-gestion, monsieur le ministre. Mais c'est pas la ligne de Madagascar. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en novembre 2019, il y a une commission mixte qui s'est réunie à Ndafjavart, en Tananarive. Qu'une prochaine commission mixte devrait, dans les semaines ou les mois à venir, avoir lieu à Paris, puisque c'est Paris maintenant qui doit héberger la 2e conférence mixte, commission mixte. Il se trouve qu'en France, ça ne vous a pas échappé, la France va rentrer, c'est-à-dire dimanche prochain, au premier tour des élections présidentielles. Ensuite, il y aura les élections législatives au mois de juin. Donc moi, je n'ai aucun écho quant à la tenue de cette 2e commission mixte franco-malagache. Mais ce que je dis, c'est que Madagascar, et je l'ai dit, et je l'ai dit en tant que ministre des Affaires étrangères, sous l'autorité du président de la République, Andry Rajoelina, qui est chef de notre diplomatie, je l'ai dit à tous mes frères
collègues africains et étrangers également, dans le cadre de ces voyages officiels que j'ai effectués. Je le rappelle, donc j'ai fait 9 voyages, dont 5 avec le président de la République. Et à chacun de mes voyages, encore très récemment à Bruxelles, j'étais avec mes frères ministres africains des Affaires étrangères pour une nouvelle fois leur redire que en septembre 2022, à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, nous souhaitons que ce sujet soit à l'ordre du jour et soit discuté au sein de cette Assemblée générale et que éventuellement une résolution soit adoptée, une troisième résolution soit adoptée afin de hâter cette restitution des Nous Malagas. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre, et cela sera vu à l'occasion, ça s'est déjà vu à l'occasion de la première commission mixte franco-malagas, ça sera vu naturellement, j'imagine, plus précisément lors de cette deuxième édition de la commission, il y a un certain nombre de choses à voir, parce que qu'y a-t-il derrière les Nous Malagas? Je rappelle quelques chiffres. Ce sont 620 000 km² de zone économique exclusive, une zone extrêmement poissonneuse, à tel point d'ailleurs que le 13 mars dernier, il y a des pêcheurs, je ne sais pas s'ils étaient malagas ou mozambicains, qui étaient sur l'île de Juan de Nova, je parle de 2022, hein, qui étaient sur l'île de Juan de Nova en train de faire de la pêche illicite et qui se sont même posés sur l'île de Juan de Nova. Donc, voilà, il y a 620 000 km² de zones économiques exclusives poissonneuses, d'une part. D'autre part, le sous-sol de ces 4 îles renferme beaucoup de gaz. C'est une étude qui a été faite par l'administration du président Obama, qui montre qu'il y a énormément de gaz. Il y a également, puisque Ségolène Royal, la ministre française de l'Environnement à l'époque, a donné une licence pour faire des carottages sous ces îles en matière de pétrole. Il y a également du pétrole sur ces îles. Et puis, évidemment, il y a une faune et une flore exceptionnelles. Donc l'enjeu de ces Nous Malagas est un enjeu extrêmement important. Et pour terminer, pour être clair également, parce que ce sujet s'est posé avec les îles Tromelin et l'accord de cogestion que vous évoquez entre la France et l'île Maurice, je rappelle que, in fine, c'est le Parlement français qui va accepter de se séparer d'une partie du territoire national. Et je ne suis pas certain que la majorité du Congrès en France soit d'accord pour céder une parcelle du territoire, dans la mesure où récemment, c'est-à-dire il y a un an ou deux ans, le président Larcher, le président du Sénat, a fait une note comme quoi il a été soutenu par des sénateurs, comme quoi il serait difficile pour le Sénat de voter, disons, cette cession du territoire national. J'ai bien entendu également que le groupe politique La République En Marche et le groupe politique Front National, Rassemblement National, se sont prononcés déjà contre la restitution d'une partie, de se séparer d'une partie du territoire national français. Donc la tâche est immense. Je sais que de part et d'autre, il y a une volonté de bien faire. Le président André Zoëlne, encore le 27 août dernier, nous étions avec lui à l'Élysée lorsqu'il a rencontré en tête à tête le président Emmanuel Macron. Donc les choses avancent tranquillement, sereinement, dans un bon esprit, avec naturellement les paramètres posés sur la table. Vous avez dit sur 24.mg, la restitution des îles Éparses s'inscrit dans le processus de décolonisation totale de Madagascar. C'est ce que j'ai dit par rapport à la résolution. Est-ce que nous avons assez de force? Est-ce que nous sommes vraiment de taille pour la restitution de ces îles malgaches? Alors, je l'ai dit effectivement parce que c'est le sens
de la résolution de 1979 qui a été abondée par la résolution de 1980. Mais vous me donnez l'occasion de rappeler les termes du président Hans Latzoen le 22 septembre dernier à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Notre pays n'a ni les moyens, ni la puissance, ni même la volonté de déclencher un conflit. Nous souhaitons simplement que dans le cadre de la discussion, ce sujet soit réglé, parce que c'est notre civilisation du Fiavan, qui est cette civilisation du consensus, qui fera avancer les choses. Et je l'ai dit, il y a de part et d'autre, moi je m'en suis entretenu de façon assez rapide avec mon collègue Jean-Yves Le Drian, lorsque j'étais et à Brest et à Bruxelles récemment. Voilà, il y a des choses qui sont à mettre sur la table, qui ont déjà été mises en novembre 2019 à Andafiavarat. Et ensuite, voilà, il faut que les choses avancent. Et de notre côté, et en tout cas moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, à chaque fois que cela a été possible, j'ai parlé du rayonnement de Madagascar, j'ai parlé du respect de la souveraineté de Madagascar. À chaque fois, cela faisait partie de mes devoirs. Est-ce que ça a eu des impacts sur la relation franco-malagasy? Ah, pas du tout, non. Je l'ai dit d'ailleurs au mois de juillet dernier, lorsqu'une de vos consoeurs de France 24 m'a interviewé. Non, ça n'a rien à voir avec les relations franco-malagasy qui se poursuivent. La France est un des plus grands bailleurs de Madagascar. Nous avons une histoire commune avec la France, naturellement, depuis de très nombreuses années. Et naturellement, nous avons des voisins qui s'appellent l'île de la Réunion et l'île de Mayotte. Donc nos relations sont d'une part excellentes, d'autre part au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des deux chefs d'État, cette relation est permanente. Donc non, en tout cas moi en tant que ministre des Affaires étrangères, je peux vous dire que les relations que j'ai entretenues en tant que ministre malagasy des Affaires étrangères avec les autorités françaises, que cela soit avec l'ambassadeur de France ici à Antananarivo ou avec soit le directeur Afrique ou soit le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoine, nos relations sont excellentes, excellentes. Alors, l'opinion publique se demande souvent sur votre binationalité. Vous êtes malgache, vous êtes franco-malgache. Est-ce que vous défendez plutôt l'intérêt malgache ou l'intérêt français ? Et ici, je suis malgache, je défends l'intérêt malgache. Et bien au-delà de défendre l'intérêt malgache, je défends le droit. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de cette chose brutale qui m'est arrivée avec la provocation, et y compris l'édition de cette bande sonore qui était une conversation privée, c'est quelque chose qui touchait à l'injustice. C'était injuste de me faire ça. Et lorsque je défends les intérêts de Madagascar, je défends, je l'ai toujours dit, c'est dans tous mes discours, je défends l'intérêt de nos compatriotes, des 23 régions de Madagascar, ça j'y tiens absolument. Et puis également, je ne fais que, transcrire en propos le droit. Il y a une résolution s'agissant des Nous Malagas qui existe, voilà, elle existe. Et puis, je ne vois pas en quoi ma binationalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités publiques malagas qui sont binationales. Mon frère, par exemple, l'ancien SGP, est malgache et canadien. Il y a beaucoup dans la sphère dirigeante politique malagasy de binationaux. Il y en a qui sont franco-malagasy, même ma fille est canadienne. Donc voilà, il y a des Canadiens, il y a un certain nombre de Suisses. Voilà, par exemple, mon frère, le Premier ministre Cool Roger, était Suisse. Également, ça ne l'a pas empêché de défendre Madagascar et d'être Premier ministre de Madagascar. Il y a également un certain nombre d'autres premiers ministres, que je ne citerai pas, qui étaient franco-malagasy. Donc ce procès en loyauté, je pense, n'a pas lieu d'être, puisque d'une part, chacun sait, et le président de la République, Hans Latzoen, me l'a dit à plusieurs reprises, il apprécie mon sens du patriotisme. Et on parlera de mes livres à la fin de cet entretien. Vous choisir entre français et... Je ne choisis pas entre mon père et ma mère, jamais. Et personne, vous-même, vous ne choisirez pas, j'imagine, entre votre papa et votre maman.
Moi, je suis parisien. Ma maman est d'origine polonaise. Mon père est malgache. Ma fille est canadienne. Mon épouse est malgache. Voilà, moi, je vis dans un monde universel. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais commando parachutiste. J'étais commando parachutiste dans l'armée française. Mais quand on est commando para, c'est une arme universelle. C'est-à-dire que ce soit les commandos para de la Légion étrangère, des bataillons américains ou même des bataillons russes et autres, nous appartenons, nous sommes frères d'armes. Même si sur le terrain nous nous confrontons parfois, mais nous sommes frères d'armes, nous appartenons à quelque chose d'universel. Et vous me demandez si je choisis entre mon papa et ma maman. Je ne choisirai jamais entre mon papa et ma maman. Si des fois il y a des conflits, ce que je n'imagine même pas, entre mon papa et ma maman, bah écoutez, je me retirerai parce que je n'aurai rien à faire là. Et ce serait, de ma part, le fait de choisir entre le papa et la maman, quelque chose, pour le coup, de déloyal. Vous étiez ministre des Affaires étrangères de nombreuses chancelleries malgaches, non pas encore de représentants jusqu'à maintenant, non pas d'ambassadeurs, non pas de représentants. Alors, où se trouve le blocage pour la nomination de ces ambassadeurs, monsieur le ministre ? Le blocage, le processus est en cours. Est-ce que c'était vraiment un choix pour ne pas avoir nommé ? Il n'y a pas de blocage, je le répète. Le processus de nomination des ambassadeurs est en cours. Le 3 décembre dernier, lorsque le président de la République m'a demandé de faire cet appel aux candidatures, cet appel à candidature, comme d'habitude, d'ailleurs, quand je fais des choses un peu sensibles, je me fais baquer par le Bianco et également par le pôle anticorruption. Et pour le coup, il y avait un huissier de justice qui a constaté les 303 candidatures. Une fois que nous avons eu ces 303 candidatures, mon cabinet et mon administration ont épluché chaque CV de 303 candidatures. Et actuellement, ce processus est en cours. Il est normal. Et le fait de nommer un ambassadeur représentant Madagascar, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons que 5 ambassadeurs. Et qu'il faudrait, ça c'est une revendication de la part de la communauté diplomatique, de la part des grands pays notamment, mais également d'autres pays, que nous ayons des représentants, c'est-à-dire des ambassadeurs dans ces pays-là. Mais voilà, le processus est en cours. Et pourquoi avoir fait un appel à manifestation d'intérêt pour la nomination des ambassadeurs alors que nous avons des professionnels dans la diplomatie malgache? Vous étiez d'ailleurs conférencier au CEDS Madagascar, vous étiez ministre des Affaires étrangères, il y a plusieurs professionnels, pourquoi avoir fait un appel à manifestation d'intérêt? Mais c'est pour ouvrir, parce qu'il y a des pépites dans la diaspora, à l'étranger, et c'était justement pour mobiliser ces pépites. Et je crois que le fait de s'ouvrir à toute la diaspora, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, évidemment, au CEDS, évidemment à Sciences Po, et pourquoi pas à l'ISCAM, et au sein de l'administration centrale et au sein des représentations extérieures, il y a des gens de qualité. Moi, je peux en témoigner. Au sein de mon administration centrale, il y a des gens de très grande qualité, des diplomates de très grande qualité. Également, dans le monde extérieur, public ou privé, il y a des gens de très grande qualité. Mais ce que je veux dire, c'est que le poste d'ambassadeur n'est pas un poste administratif. C'est un poste naturellement diplomatique, mais c'est un poste politique. Politique, ça veut dire avoir des relations politiques avec l'État au sein duquel nous sommes, c'est-à-dire d'avoir des relations politiques avec les parlements de ces États, c'est avoir des relations, entre guillemets, politiques avec les grandes entreprises de ce pays. Donc le poste d'ambassadeur n'est pas un poste administratif, ce n'est pas un poste qu'on acquiert en sortant de l'université ou d'autres structures. Évidemment, et moi, ce que j'aurais apprécié, c'est qu'il y ait une partie de très hauts diplomates qui puissent devenir ambassadeurs. Mais encore une fois, le poste d'ambassadeur n'est pas un poste administratif. C'est un poste éminemment politique dans le sens large du terme. C'est-à-dire qu'il va représenter Madagascar à travers toutes ses dimensions. Parce que l'ambassadeur est celui qui représente la ministre
de l'artisanat, par exemple, qui représente le ministre de l'industrialisation, qui représente le ministre de la pêche, qui représente tous les ministères. Donc c'est un poste éminemment politique dans ce sens-là, de politique, c'est-à-dire la gestion de la cité. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir à l'extérieur et par les voies digitales, c'est-à-dire par les voies numériques, toutes les demandes, enfin toutes les candidatures qui pourraient s'exprimer. Alors vous étiez conseiller spécial du président de la République, vous étiez également ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il n'y a pas un empiétement pour ces deux postes, monsieur le ministre ? Non, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, dès que j'ai été nommé conseiller spécial du président de la République dans le domaine de la diplomatie et de la coopération internationale, je suis tout de suite allé rencontrer, on était en plein Covid, je suis tout de suite allé rencontrer le ministre qui était mon prédécesseur, pour le coup, et je lui ai dit naturellement que ma mission, aux côtés du président de la République, Andrzej Duda, qui est, je le répète, chef de la diplomatie, ma mission, c'était justement... et exclusivement aux côtés du président de la République. Ce n'était pas d'empiéter sur les prérogatives gouvernementales du ministre des Affaires étrangères. Ce n'était pas non plus empiéter sur ma collègue, qui est directrice des relations internationales, avec qui je travaillais quotidiennement. Et il n'y avait aucun empiétement entre sa mission de directrice des relations internationales et de conseiller spécial. Et d'ailleurs, cette collaboratrice du président de la République, j'ai eu à travailler de façon très étroite avec elle lorsque nous étions dans des voyages officiels aux côtés du président de la République, Andrzej Duda. Donc non, moi j'ai toujours entretenu avec les uns et les autres des relations extrêmement franches. Je vous dis, dès que j'ai été nommé, je suis allé voir mon prédécesseur, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, pour bien caler les choses. Je le connaissais bien, d'ailleurs, puisque nous étions tous les deux membres du comité scientifique pour la restitution des nous malagas. Donc c'est dans un cadre vraiment fraternel et dans un cadre exclusivement de défense des intérêts de Madagascar que j'ai effectué cette mission de conseiller spécial auprès du président de la République, Andrzej Duda. En 2019, lors de sa visite en France, le président Andrzej Duda avait promis le droit de vote à la diaspora malgache. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre, au mois d'août. En 2021. En août 2021. Au mois d'août 2021, on en reparle. Est-ce que c'est faisable maintenant, ce droit de vote à la diaspora malgache ? Où en est-on maintenant ? C'est faisable, je dirais, mécaniquement, puisque c'est une décision, une promesse du président de la République. Donc il faut la mettre en musique, cette décision, pour que nos compatriotes puissent voter à l'occasion d'un certain nombre d'élections. Il y a simplement un certain nombre de choses à faire, et nous l'avons entamé. C'est le recensement de la diaspora, le recensement précis de la diaspora, pour pouvoir délimiter, au cas où, un certain nombre de circonscriptions. C'est également ce que fait... Mon jeune collègue Taïn, qui est ministre de la digitalisation, qui fait un travail formidable sur justement la digitalisation de nos ambassades et pour permettre de comprendre un petit peu quel est le vrai volume de notre diaspora. Et puis enfin, et ça c'est quelque chose de très important, au-delà du gouvernement et au-delà du chef de l'État, il y a nos élus, députés et sénateurs, et puis d'autres structures également, la haute cour constitutionnelle. Toutes ces structures vont être naturellement consultées, soit pour avis ou soit pour décision par rapport à leur statut. Et puis le droit de vote de la diaspora se fera dans ce cadre-là. Et je le répète, nous sommes une civilisation de Fiavanana, nous sommes une civilisation du consensuel, et ce n'est pas brutalement que nous allons imposer le vote de la diaspora, c'est en allant petit à petit, en consultant toutes les parties, y compris, je dis, les élus, les grandes institutions, naturellement le gouvernement, et c'est aussi matériellement. Et encore une fois, je salue l'excellent travail du ministre de la digitalisation qui nous a donné un grand, grand coup de main dans ce cadre-là. C'est aussi au plan matériel de préparer cela. Ça ne se prépare pas n'importe comment, dans la mesure où
tous nos compatriotes ne sont pas inscrits en consulat. Voilà, et c'était l'objet justement de cet appel que j'ai lancé il y a quelques semaines, cet appel à la diaspora, afin qu'elle puisse s'inscrire dans nos consulats. Vous avez travaillé également avec l'ancien président Yair Rabanne. Vous êtes aussi un ami proche de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Henri Rabanzak. Vous avez pourtant soutenu... Je ne suis pas un ami proche. Non. Un ami. Non, je ne suis pas un ami, ni proche, ni ami. Non. Non. J'ai travaillé, pour parler vous clair... Vous avez pourtant choisi de soutenir le président André Duel en 2018. Bien sûr. Oui. C'est dans la... Je rappelais la transition... 2009-2013, et à l'issue de cette transition, un homme politique occidental a inventé le concept du ni-ni. Ce concept du ni-ni a été funeste pour Madagascar, parce qu'il a empêché la confrontation par les urnes du président André Duel et de son challenger. Donc nous sommes en 2013, et le président Radzwell et son challenger ne peuvent pas se présenter aux élections, ce qui a eu lieu en 2018. En 2013, le président André Radzwell, président de la Haute Autorité de Transition, à l'issue d'un processus, disons, d'apaisement de la situation politique à Madagascar, a diligenté Erazonar Mampian. Et c'est tout naturellement, et je l'assume, que puisque le président de la Haute Autorité de Transition, André Duel, a diligenté Erazonar Mampian pour se présenter en son nom au suffrage des Malagas, c'est évidemment Erazonar Mampian que j'ai soutenu. Je suis ensuite, j'ai ensuite été son conseiller diplomatique officieux, puisque je le rappelle, je n'ai jamais été nommé à aucun poste, ni par Erazonar Mampian, ni par Henri Rabanzak, avec qui j'ai travaillé bénévolement. Moi, je travaille depuis, on parlera encore une fois de mes livres, depuis plus de 30 ans pour le pays. Ce n'est pas dans un souci d'avoir des postes ou d'autres choses. Bon, il se trouve que j'ai été comblé pendant toute ma carrière en France, de haut fonctionnaire, et ma carrière administrativo-politique. J'ai vu des palais, j'ai travaillé dans des palais, vous l'avez dit, j'ai servi des ministres français au plus haut niveau, puisque quand on est chef de cabinet d'un ministre, ça veut dire qu'on est extrêmement proche du ministre. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin de ça. J'ai servi l'administration Razonar Mampian parce que c'était celle qui était diligentée par le président de la Haute Autorité de Transition, parce qu'un homme politique occidental a interdit aux deux candidats, qui ont été les principaux candidats en 2018, de se présenter. Donc, bien sûr, j'ai travaillé avec l'administration Razonar Mampian jusqu'à peu près en 2016-2017, que durant tout ce temps-là, naturellement, en toute loyauté, y compris à l'égard du président André Duel, j'ai entretenu avec lui d'excellentes relations. Et je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas entretenu avec le président Duel, qui était retiré donc de la vie politique, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas entretenu de bonnes relations avec lui, dans la mesure où ce que je faisais, soit à Yavlou, soit à Nous, c'était pour le pays, puisqu'encore une fois, ni Erazonar Mampian, ni Henri Rabanzak, avec qui je ne suis pas ami, c'est une connaissance, c'est tout. Quand il m'a demandé de venir, c'est parce que le président Razonar Mampian lui a demandé de me prendre à ses côtés pour lui donner quelques conseils. Je n'ai jamais été nommé à aucun poste au sein de l'administration Razonar Mampian. Il faut que ce soit clair. Et j'assume tout à fait de l'avoir soutenu en 2013, naturellement, pour qu'il gagne, et ensuite d'avoir été son conseiller officieux. Maintenant que vous n'êtes plus ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous espérez encore, est-ce que vous attendiez encore une nomination de la part du président ? J'ai beaucoup de choses à faire. La première des choses, c'est d'assister à l'accouchement de ma fille, parce que ma fille va accoucher dans quelques semaines, donc je vais aller avec mon épouse au chevet de notre fille, et puis dès le lendemain de mon non-renouvellement, j'ai poursuivi mes activités
mes activités de conseil pour les grands groupes industriels. J'ai continué mes activités d'écriture, hein, puisque je vous dis, je suis en train de rédiger un ouvrage. J'ai également un film qui est déjà pré-produit. J'ai déjà réalisé, écrit et produit 7 films sur Madagascar. Donc j'ai un film de moyen-métrage qui est déjà écrit, mais qui est en pré-production actuellement, et c'est pour ça que je vais rencontrer un certain nombre d'amis à l'étranger pour finaliser, disons, la production de ce film, qui sera un road movie à travers Madagascar. Donc j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, même si je suis un vieux monsieur aujourd'hui. Dans 2 ans, j'aurai 70 ans. J'espère que Dieu me prêtera vie suffisamment longtemps pour que je continue à m'amuser, parce que c'est vrai que depuis que je suis rentré dans la vie active en 1980, ça fait 40 ans maintenant, je me suis toujours amusé, parce que j'ai toujours servi des gens que j'aimais, que ce soit les ministres, que ce soit le PDG quand j'étais dans l'industrie d'armement, ou que ce soit les préfets. J'ai toujours apprécié de travailler directement avec la personne. Hein. Il y avait entre la personne et moi, c'est-à-dire entre le numéro 1 et moi, je n'étais pas numéro 2. Hein. Entre la personne numéro 1 et moi, il n'y a jamais eu personne qui nous a séparés. Et ce que j'aime est-ce faire... Est-ce que ça vous gênait quand vous étiez ministre? Parce qu'il y a eu... Non, pas du tout, puisque... président de la République. Pas du tout, puisque d'abord, les relations que j'ai avec le président de la République, Angel Azuel, sont extrêmement profondes. Qui sont des relations de respect mutuel et de confiance mutuelle entre le président Radzwell et moi depuis maintenant presque 14 ans. Et le président de la République, je l'ai dit, est le seul titulaire de son fauteuil à Madagascar. C'est le chef de l'État, chef des armées, chef de la diplomatie. Donc non, je n'étais absolument pas gêné d'être dans un gouvernement, dans la mesure où mon fonctionnement avec le président de la République est extrêmement clair et transparent. C'est-à-dire qu'avant de faire un certain nombre de choses, je préviens le président de la République et je lui demande son avis et lui-même me donne des instructions. Donc nous avons une relation... je dirais direct entre le chef de la diplomatie qu'il est et moi, son bras armé. Donc non, je n'étais pas gêné d'être au sein du gouvernement, d'autant plus qu'au sein de ce gouvernement, de cette équipe du 15 août, il y a des gens formidables. Il y a de très grands professionnels. Bon, Vainal, ma petite sœur Vainal, aujourd'hui est secrétaire générale et directeur de cabinet du président de la République. Il y a des ministres formidables. Je ne les citerai pas tous. Je cite Vainal parce qu'elle a accédé à un poste extrêmement important, mais difficile, difficile, humainement difficile, politiquement difficile. Et puis voilà, c'est très compliqué à l'arrivée de 2023 d'être directeur de cabinet du président de la République. Mais j'ai rencontré... au sein du gouvernement, des gens formidables, des professionnels. Je citerai pas les... J'ai parlé de Taïn, bien sûr, qui est un grand professionnel dans ce domaine-là, de la digitalisation, numérisation. Il y en a d'autres. Je les citerai pas, parce que sinon, je vais me fâcher avec tous. Mais il y a de grands professionnels, des patriotes, véritablement patriotes, des gens qui font avancer les choses, des gens qui connaissent parfaitement leur dossier. Et ça, je l'ai vu dans les conseils de gouvernement, au conseil des ministres également. Donc voilà, il y a peut-être une chose qui, disons, me laisse un petit goût, c'est d'avoir quitté tous ses frères et toutes ses sœurs du gouvernement, parce que j'aurais bien voulu... être à leur côté, parce que le ministère des Affaires étrangères est un ministère transversal. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec tous les ministères. C'est nous qui apportons, disons, les choses, hein, puisque j'ai été ministre depuis le 15 août, c'est à peu près 950 millions potentiels qui sont là pour aider le secteur privé. Par exemple, nous avons réussi à avoir immédiatement 126 millions pour le Grand Sud. On a eu, dans les minutes qui ont suivi notre appel, plus d'1,5 million pour nos frères et nos sœurs de la côte sud et sud-est. Voilà, nous avons également 850 millions d'aides internationales qui sont arrivées pendant ma mission. Donc toutes ces choses-là sont des choses concrètes qui sont au service des ministères techniques. Hein. Et donc... moi, j'estime, vous me parliez de ma mission tout à l'heure, je n'ai absolument pas failli dans ma mission. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit cela qui me soit reproché.
J'aimerais avoir votre avis, Monsieur le Ministre, sur les clubs de service. Je parle ici notamment, entre autres, de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas un club de service, c'est une fraternité. Une fraternité, Les comme clubs vous de dites. service sont le Lions Club, c'est le Rotary, c'est l'essor optimiste. Qu'est-ce que ça apporte au pays, Monsieur le Ministre? La franc-maçonnerie, d'abord, c'est quelque chose qui apporte à soi-même. C'est une construction personnelle. Moi, j'ai été initié franc-maçon il y a 39 ans maintenant. J'étais un jeune homme. J'ai été initié il y a 39 ans. J'ai évolué dans cette structure pendant donc très longtemps, près de 40 ans. Ça apporte à soi-même. Et parfois, les gens, quand ils vous rencontrent, quand ils parlent avec vous, ils vous disent: « Mais tu ne serais pas franc-maçon, toi? » Parce qu'il y a, je dirais, Donc vous c'est assumez être pas un moule. franc-maçon. Moi, j'assume parce que c'est public. J'assume parce que c'est public. Mais surtout, j'assume parce que c'est quelque chose qui est discret et non pas secret. Et ce que vous, la question que vous posez, qu'apporte la franc-maçonnerie à Madagascar, je voudrais citer juste un exemple. Pendant les crises de 2001 et de 2009, qui n'ont pas dégénéré en bain de sang, la franc-maçonnerie a aidé à ce que les choses soient apaisées. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Expliquez-vous, monsieur le ministre. Juste pour dire que dans la sphère civile et militaire, il y a naturellement des francs-maçons, et que en nous rassemblant, en discutant entre nous, y compris dans des. Nous ne pensions pas tous la même chose. Et parfois même, nous étions opposés sur le plan politique, mais vraiment opposés. Dès lors que nous nous rassemblions dans un cadre entre frères et sœurs, ça permettait d'apaiser, de voir un petit peu les différentes aspérités, les différentes choses différentes entre nous, et puis éventuellement de les régler, et ensuite de rapporter à ceux qui dirigeaient le pays, de leur dire: écoutez, nous estimons qu'il faut apaiser les choses, qu'un bain de sang n'est pas du tout nécessaire, et que les garanties sont apportées ici et là, afin que les choses se déroulent sereinement. Voilà ce qu'a apporté notamment la franc-maçonnerie à Madagascar, qui est quelque chose de très très ancien, puisque les premières loges datent de 1900. Hein. Donc il y a encore des loges aujourd'hui au sein d'une obédience qui datent de cette période-là, qui datent de 120 ans. Et la première loge à Madagascar s'appelait Indépendance nationale. On était en 1900. Il nous reste quelques minutes, monsieur le ministre. Parlez-nous un peu de vos ouvrages. Ah! Alors, s'il faut faire de la promotion, j'ai écrit mon premier livre. J'étais en formation à Sciences Po Paris en 87, et j'étais dans la bibliothèque. Et à un moment, je vois 1947 Madagascar dans la bibliothèque. J'y tiens, effectivement, je connaissais cela, puisque, comme vous l'avez dit, j'étais un militant politique du Monima. Et donc, je connaissais bien l'histoire politique de Madagascar. Et j'ai dit: tiens, il faut que je creuse un petit peu ce mars 47. Et j'ai écrit mon premier livre, 40 années de la vie politique de Madagascar, 47-87. J'ai ensuite écrit d'autres livres, et y compris les mémoires du prince Albert Rakoutratsimamang, sur 1947, sur un point précis de 1947, puisque Albert Rakoutratsimamang, qui a été le premier docteur en médecine français, puisqu'à l'époque Madagascar était français, le professeur Albert Rakoutratsimamang a été celui qui, au lendemain de la guerre, a accueilli les anciens combattants malgaches et les a orientés vers le MDRM. Et ensuite, ces combattants malgaches, anciens combattants malgaches qui sont devenus MDRM, sont revenus au pays. Et il y a eu un certain nombre de choses. Jacques Rabbey-Mlanzar, le docteur Rasset, et également le prince Albert Rakoutratsimamang ont créé ce MDRM sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, hein, puisque c'est le serment de la montagne Sainte-Geneviève pour, disons, faire de Madagascar un pays souverain, indépendant et libre.
Donc, ça a été ces ouvrages. J'ai écrit également un ouvrage sur le combat entre le président Didier Ratzirk et son challenger en 2001, lorsque Marc Ravalomanana s'est autoproclamé président en 2002, quand il a été reconnu le 26 juin 2002 par les États-Unis d'Amérique et le 3 juillet 2002 par Dominique Galouzeau de Villepin, le ministre français des Affaires étrangères. Donc j'ai écrit un livre sur ces 200 jours qui ont fait vaciller la nation malgache. J'ai écrit d'autres livres sur la refondation et le développement. Un gros livre qui a été mon deuxième livre, il doit faire 360 pages, sur, bien sûr, l'histoire politique de Madagascar, mais aussi la tradition initiatique. Parce que pour moi, j'ai parlé tout à l'heure de notre civilisation malgache. Notre civilisation est posée sur un certain nombre de fanurénana, de fondations. Et ces fondations sont justement, et moi qui suis un pratiquant du culte des ancêtres depuis très longtemps, ces fondations se nourrissent de nos traditions. Et le fait de respecter les traditions, ce n'est pas quelque chose de passéiste. Aujourd'hui, il y a un très grand pays que j'admire pour ce faire, c'est le Japon. Le Japon qui est vraiment défenseur de ses traditions, mais qui est aussi un pays très moderne, qui fait partie du G7. Donc notre pays, Madagascar, qui en plus est une île, comme le Japon d'ailleurs. Et avec le Japon d'ailleurs, nous avons des relations diplomatiques officielles depuis 60 ans, cette année, mais depuis très très longtemps, puisque en 1860, il y avait déjà des ambassadeurs malgaches qui sont allés au Japon. Donc le Japon est un grand pays aujourd'hui, membre du G7, un pays extrêmement développé, mais qui est un pays très proche de ses traditions. Et donc, y compris dans mon action politique à Madagascar en tant que ministre des Affaires étrangères ou même conseiller spécial du président de la République, c'était toujours d'être soucieux de respecter la tradition et l'histoire de Madagascar. Parce que même souvent, on me dit « Mais oui, mais toi, tu parles de 47 ». Mes ancêtres étaient membres du MDRM, mon grand-père était membre du Panama. J'ai beaucoup d'admiration pour les Ménalambes. Voilà, il y a toutes ces choses qui font que... Et puis j'ai écrit aussi sur la période monarchique. Et donc, moi, je suis pétri de tout cela. Parce que quand je parle de quelque chose, éventuellement je vois un village, que ce soit à Lassour, ou que ce soit également le village de mon grand-père Malangina Varadjan, ou en Bouy-Bemanzak, au sud d'Andramasne, il y a des histoires. Il y a des Panzak. Et là, récemment, j'étais avec un certain nombre d'amis, nous avons fêté le Nouvel An malgache. Il y avait beaucoup de Panzak qui étaient là. Et c'est cela, la modernité. C'est justement de s'appuyer sur ces Panzak, c'est de s'appuyer sur nos aînés, c'est de s'appuyer sur ceux qui ont vécu 1947. Et d'ailleurs, il y a un très, très beau film qui s'appelle Fa'aval, qui sort actuellement et qui est un très beau film de témoignage sur 1947. Donc lorsque je parle des traditions malgaches, lorsque je parle de l'histoire malgache, y compris de l'histoire monarchique malgache, c'est pour rentrer de plein pied dans la modernité de Madagascar. Et lorsque j'explique que Madagascar est un pays qui est libre, indépendant et souverain, eh bien cette souveraineté s'appuie justement sur nos traditions et sur notre histoire. Monsieur le ministre, le premier tour de l'élection présidentielle en France va se tenir ce dimanche. Est-ce que vous allez voter ? Non. Pour qui allez-vous voter ? C'est ma réponse. Non, je ne vais pas voter. Je suis à Madagascar. On est à Madagascar aujourd'hui, non ? Et puis je n'ai aucun... Non, je n'ai pas à voter. Je ne m'interdis pas le fait de voter, d'assumer... Quel est votre pronostic, alors ? Ah, j'ai aucun pronostic. J'ai aucun pronostic. J'ai naturellement... des faveurs, une candidate, puisque c'est une camarade que je connais bien lorsque j'étais au Parti Socialiste, qui est Anne Hidalgo, mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, la pauvre, et elle, et le Parti Socialiste, et les idées qui sont défendues sont plus du tout à l'ordre du jour. Donc non, je n'ai pas de... J'ai grand un, pas de...
pas de préférence. Grandot, je ne participerai pas au scrutin, qui par ailleurs verra sûrement une très forte abstention. Et voilà, moi, je suis, comme beaucoup d'autres, un spectateur de tout ce qui se passe dans le monde. Je l'ai dit, je suis quelqu'un d'universel. Et puis voilà, je ne suis pas turfiste ni Madame Soleil pour regarder dans une boule de cristal qui sera au lendemain du second tour des élections présidentielles qui sera président de la France. En tout cas, ce que je sais, c'est que, à titre personnel, j'espère que la deuxième rencontre de la commission franco-malagas, s'agissant des nous malagas, se tienne dès que ce sera possible, et par la France et par Madagascar. Fantaniko farany, monsieur le ministre, misy an'iny sary lala sonoro iny tamin'ny sarinao mamaky an'iny lala sonoro. Misy sary koa miaraka amin'ny ben-tanàna nainandretsito aina, ben-tanàna n'Antananarivo. Misy sary miaraka amin'ny sélectionneur Nicolas Dupuy. Ahoana ny matory? Mitovy mihitsy tsika telona, tena mitovy mihitsy, ohatrany no, tsy izy vola, ino koa? Non. Là, la Sinour, c'était pour faire un petit pied de nez à tout le monde. Il se trouve que ça a fait le buzz pendant un week-end. J'étais très heureux. Lorsque nous avons inauguré le stade Barea, il se trouve que Nine, Nicolas et moi, on était ensemble. On a fait cette photo. Voilà, moi, c'est comme ça que j'aime la vie. C'est les moments de fraternité, c'est les moments d'humour, c'est les moments de sourire. Et notre peuple, qui souffre beaucoup depuis toutes ces années, c'est un peuple qui, malgré tout, a le sourire. Et quand je dis ça, je pense aussi à mes frères et à mes sœurs du sud de Madagascar, pour lesquels le président de la République, Andrinirin Radzoen, se bat bec et ongle pour essayer de faire émerger cette région sud de Madagascar. La première dame également, avec l'usine Nutrisud, fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Le pipeline qui va apporter l'eau dans ces régions-là est très important. Je vous l'ai dit, nous avons récupéré à peu près 126 millions de dollars pour cette région. Le président de la République a mis en place le titre vert. Ma collègue Vainal a mis en place un certain nombre de choses pour empêcher la désertification. Donc toutes ces choses-là font que nous allons rendre le sourire aux Malgaches, parce que nous sommes un grand pays. 600 000 km². Et si je puis me permettre, on a parlé de l'Ukraine et de la Russie tout à l'heure, nous avons 600 000 km². Et il y a une petite idée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, c'est que pourquoi ne pas développer une agriculture extensive à Madagascar en matière de blé et de maïs? Pourquoi pas? Parce que nous avons les terrains, nous sommes un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui peut avoir accès à l'Asie, à l'Europe et à l'Afrique. Et cette idée de faire de Madagascar le grenier-ri, entre guillemets, du sud-ouest de l'océan Indien, voire du monde. Parce que je rappelle que 40% de la production agricole en matière d'oléagineux vient de la Russie et de l'Ukraine. Donc moi, je pense, et c'est ce que j'ai défendu également lorsque, au nom de Madagascar et au nom du président Radzoen, j'ai pris la présidence de la commission de l'océan Indien, j'ai dit il faut développer massivement notre agriculture. Et j'observe qu'il y a quelques jours, 9 tonnes de produits agricoles malagas sont partis par la compagnie aérienne EWA aux Comores. Et donc ça, c'est une très belle chose. Et c'est pour ça que les actions que je mène, vous l'avez dit, depuis plus de 30 ans, c'est justement pour que chacun puisse sourire. Merci. Je suis très heureux de vous remercier, monsieur le ministre, de vous remercier. Je vous remercie, Radzoel Patrick, ministre de Rarambahiny Tewalou. Nous voyons, tout à l'heure, nous vous remercie, monsieur le ministre, de vous remercier. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vous remercier. Je vous remercie. Продолжение следует...